Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation, surtout analyse, plus, plus, Lélo. Aujourd'hui, Kofi Olomide, ta richesse là, va te créer des problèmes. La richesse de Kofi Olomide va lui créer les problèmes. Surtout depuis que Kofi Olomide s'est bâti une femme selon son cœur. Cindy, le cœur Olomide Agbepa. La femme selon le cœur de Kofi Olomide. Bois noir, la femme à la peau caramélée, chocolatier. Ça, c'est la femme de Kofi Olomide. Kofi s'est donné corps et âme dans un an. Dans un an, il a acheté deux maisons. Une maison en France, une maison aux États-Unis. Et toutes ces deux maisons-là ont le nom de Cindy Lecaire Olomide Agbepa. C'est ce qui crée des problèmes. Les problèmes des tontons, autrement dit lapin, ce n'est pas un problème vraiment grave. C'est un monsieur qui a usé de la notoriété de Kofi Olomide pour abuser les femmes. Tonton de tonton, monsieur Calépin, son nom ça m'oublie, c'est Calépin, bien lapin, le monsieur là, tonton de tonton. C'est un monsieur qui a utilisé la notoriété de Kofi Olomide, une légende internationale, au détriment de la jeunesse. Aujourd'hui, le monsieur là, grâce à Kofi Olomide, il est arrivé en Europe. Grâce à Kofi Olomide, le monsieur là, il est aujourd'hui en Europe. Kofi Olomide lui a donné tout ce qu'on peut donner à un beau-frère. Comme le monsieur là, c'est le petit frère de ex-femme de Kofi Olomide qu'on appelle Alia. Ces gens ici, la famille de Kofi Olomide, ont constaté que dans peu de temps que Kofi Olomide a passé avec Cindy Lecaire, Cindy Lecaire a bénéficié de beaucoup de choses. Autrement, la maison au Congo, une maison en France, et elle vient de recevoir une autre maison aux États-Unis. Maison de 5 millions, ce n'est pas petite maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce n'est pas les maisons de Boaké. Ce n'est pas des maisons de Abobo. Ce n'est pas les maisons de Côte. Ça, c'est maison des États-Unis. Maintenant, comme Maman Alia n'aime pas Cindy Lecaire, Maman Alia est encore amoureuse de Kofi Olomide. Selon ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, mes chers amis, ça c'est selon ce que j'écoute dans beaucoup de lives. La dame ici, Alia, elle veut piquer crise. Elle veut piquer crise parce que elle a vu que Kofi Olomide, il s'est régénit et tous les biens qu'il avait, il a mis le nom de Cindy Lecaire sur ça là. Alors la maman ici, elle est dans toutes ses états. Maintenant, elle utilise son petit frère, Calépin, c'est pas lapin, tonton de tonton. Il l'utilise pour détruire Kofi Olomide. Avec des sujets mensongers que moi-même je ne comprends même pas. Le monsieur, au lieu d'aller tout droit au but vers Kofi Olomide, soit vers la petite sœur de Kofi Olomide, Kofi a des frères et des sœurs et des cousins. Mais le monsieur préfère d'aller sur TikTok. Un monsieur qui a l'air de 50 ans, qui ressemble à 50 ans, il va se jeter sur TikTok des enfants de 18 ans pour aller parler de n'importe quoi. Monsieur Calépin, écoute-moi s'il vous plaît, attaquez Congolais. Moi, je suis Congolais, j'ai le sang Congolais. Les petits Chinois et des Chinoises, quand ils les voient sur TikTok, et c'est pour innovation. Ça, c'est pour innovation. C'est seulement les femmes qui ont échoué. Regardez les femmes qui ont échoué, qui sont sur TikTok. Et un papa de 50 ans, au lieu de motiver la jeunesse, au lieu d'orienter la jeunesse vers la bonne route, toi, tu te mets dans des TikTok en train de clasher un monsieur comme Kofi Olomide. Tu vas gagner quoi dans des clashs? Est-ce que tu vas réussir, tu vas gagner le cœur de Kofi Olomide avec des clashs sur les TikTok?
tu penses vraiment que tu vas gagner le combat entre toi et Koffi Olomide sur TikTok? Pendant que les Maliens, les Burkinabés, et monsieur Côte d'Ivoire comme Blé Goudé, Onassoro Guillaume, les jeunes quoi de ton âge, ils sont en train de se battre pour l'évolution de leur pays, pour le développement propre de leur propre pays. Mais un Congolais comme toi, comme Tonto Promo, les vieux là, ils sont là sur les TikTok. Ils oublient qu'ils ont les enfants. Ils oublient qu'ils ont le devoir d'orienter la jeunesse. Vous êtes là pour faire de la fantaisie sur les réseaux sociaux. Un Congolais. Pardon. Et puis, ce sont les personnes pareilles qui vont dire que notre pays est détruit, notre pays n'est pas bon. Monsieur Calpin, qui va construire ton pays? Qui va changer ton pays si toi-même, si les réseaux sociaux, si les TikTok, tu es en train d'agacer les gens? C'est toi qui manques le respect à un monument, à une légende africaine. Tu n'as même pas honte à passer les messages sur les TikTok comme un enfant avec des barbes grises. Tu ne comprends pas que tu es devenu une personne à éduquer. Et puis, le monsieur, si il se dit sur les réseaux sociaux qu'il a des enfants à nourrir, est-ce que c'est nous qui vont gérer les problèmes de ton foyer? Est-ce que c'est nous qui vont nourrir tes enfants? Si tu n'es pas capable d'aller travailler, il ne faut pas nous déranger. Si tu n'es pas capable d'aller travailler là, ici c'est période de Noël, il faut nous laisser tranquille. Ici, on ne fait que relater les faits réels parce que c'est chronique du net. Quand tu dérapes, moi je te retourne à la ligne. Mes chers amis, on est vers Noël. Ici au Canada, là, on a commencé vacances. Donc, dès demain, là, moi, je commence. Le vendredi, je ne travaille pas. Jusqu'à janvier 2, je vais partir je serai aux États-Unis le mercredi, le 28 décembre, je serai aux États-Unis, Seattle, Oregon, Portland. Je vais voyager pendant une semaine, là, je serai dans 4 villes des États-Unis. Pendant que je vais me reposer, il y a un monsieur avec une grosse tête qu'on appelle Tonton des Tontons qui n'est pas capable de travailler, incapable de se ressaisir en Europe. Si c'est le froid qui le frappe la tête, si c'est le fait de voir Cindy Lecoeur réussir dans la vie. Mes chers amis, je vais vous dire ceci. Cindy Lecoeur que vous voyez là-bas, si on lui offrait une maison, elle a les droits. Elle a beaucoup travaillé aux côtés de Koffi Olomide. Elle a beaucoup apporté dans la vie de Koffi Olomide. À part être chanteuse, elle est aussi la femme de Koffi Olomide. À part être la femme de Koffi Olomide, donc avant d'être la femme de Koffi Olomide, elle est chanteuse. Mais à part être la femme de Koffi Olomide, elle est aussi chanteuse. Donc, elle apporte de l'argent. Elle fait gagner l'argent dans l'entreprise Quartier Latin. Donc, si on lui donnait maison, si elle achetait maison, il ne faut pas la condamner. Qu'est-ce que Ali a fait pour qu'elle puisse obtenir une maison? Alia, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie pour que Koffi puisse lui donner une maison? Pendant que nous voyons, nous constatons, c'est une femme de la maison, une femme de maquillage, une femme qui aime la beauté. Cindy Lecoeur, par contre, malgré la beauté, elle travaille également. Elle sait comment se chercher. Elle sait comment être une femme moderne, une femme battante. Même Alia n'a jamais été une femme battante. Elle n'est pas même femme moderne. Elle dépend de son mari. Elle fait quoi dans la vie? Parce qu'elle a les sacs congolais. Si elle était vraiment une femme qui travaillait au Lesoré, il y a 2 ans que les gens disaient qu'elle est avocate. Moi, j'avais déjà démenti ça il y a 2 ans quand j'ai commencé la chaîne ici, 2 ans. J'ai démenti que la façon dont les Congolais se comportent, encore, elle est la femme de Koffi Olomide. Si elle était vraiment avocate, avec les problèmes que Koffi Olomide a toujours eu, attaquer une star internationale, elle serait là pour défendre son mari. Mais si Koffi a des problèmes, par exemple, elle avait les problèmes avec Diego Music,
Il qu'au fil des fois, il a des problèmes avec des producteurs, avec beaucoup de choses. Il est toujours tantôt appelé au tribunal de grande instance. On n'a jamais vu sa femme tant qu'avocate pour aller défendre son mari. Jamais. On n'a jamais vu ça. C'est pour vous dire qu'elle ne travaille pas. C'est une femme de la maison. Comparée à Cindy Lecker, à part être la femme de la maison, elle se donne corps et âme pour contribuer à l'entreprise Quartier Latin. Elle se donne corps et âme pour protéger l'entreprise Quartier Latin. Quartier Latin n'est pas seulement une orchestre, c'est une entreprise. Les gens travaillent là-bas, les gens sont payés et les gens voyagent. Donc, comme une femme de boss, elle aussi boss, elle veille à la bonne maintenance, bonne gouvernance de cette entreprise. Respect à Cindy Lecker, s'il vous plaît. Respect à Cindy Lecker. Monsieur Kalepin, il faut l'âge. Il faut que l'âge commence à te parler. Si tu n'es pas capable à parler à ton âge, laisse que ton âge te parle. Tu sauras maintenant là, tu sauras te localiser. Mais moi, attaquer l'oncle des enfants, j'aime la fille Didi Stone, j'aime Minou, Miss Univers, j'aime Edo et les garçons là, que ce soit Diego, que ce soit Del Piero, tout, je les aime beaucoup. Moi, je suis leurs oncles. Quand il y a quelque chose, je dois intervenir. S'il faut frapper à la table, juste pour créer la paix entre la famille, je suis capable, je suis prêt à le faire. Monsieur Calpin, ressaisis-toi. Kofi n'est pas ton camarade. Ressaisis-toi. Kofi n'a pas ton apparence. C'est un vieux qui, au doigt du respect, regarde, même à son âge, il a une chanson avec Davido. Une chanson qui est trémoussante. Une chanson dansante que tout le monde écoute avec plus de 2 millions 500 000 streams dans 3 semaines. Ça, ce n'est pas un petit. Combien de jeunes sont incapables de faire même 100 000? Mais lui-là, il passe au million dans quelques semaines. Respect à Kofi Olomide. Si tu aimes les vidéos, des fois, il faut avoir l'esprit d'aimer, de liker la vidéo. Ayez quand même l'esprit de commenter sur les commentaires, pas les insultes, s'il vous plaît. Ayez également l'esprit à vous abonner si vous aimez le contenu et si vous voulez que je puisse continuer toujours dans la même lignée. C'est moi votre frère Gilmas. Je vous aime trop. À la prochaine.